Chers stationautes, bonjour. La Fédération mondiale s'est réunie et a voté à l'unanimité la reprise de l'exploration spatiale extrasolaire. En effet, nos ressources sur Terre s'épuisent inexorablement. Bien sûr, l'exploitation des planètes proches et des astéroïdes de la ceinture nous fournit d'importantes quantités de minerais, mais cela ne compense pas l'état écologique désastreux de notre planète originelle. Il nous faut envisager à bien plus long terme la colonisation de planètes aux caractéristiques proches de la Terre. De nombreuses exoplanètes ont été détectées à ce jour et certaines sont potentiellement habitables. L'objet de votre mission est de repérer et déterminer l'habitabilité d'une ou plusieurs exoplanètes afin que nous puissions y envoyer des nanosondes voyageant à 25% de la vitesse de la lumière. Ces sondes coûtant extrêmement cher, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Même si vous êtes actuellement en mission sur l'ISS martienne, vous êtes nos meilleurs scientifiques sur ce sujet. Je fais donc appel à vous. Monsieur Trollab, rappelez les méthodes de détection d'exoplanètes. Madame N, déterminez les conditions nécessaires à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons sur notre planète. Madame Duberger, définissez les conditions nécessaires à une planète pour qu'elle soit considérée comme habitable. Ensemble, sélectionnez la ou les meilleures planètes vers lesquelles envoyer nos nanosondes. Ceci est un ordre pour mission.